voir le monde en haut des arbres. C'est vraiment un moment inoubliable, cette ascension le long du tronc du Moabi, cette émergence dans cette espèce de paume à l'intersection des branches du très grand arbre. Sentiment d'un seul coup de crever la surface de la canopée pour voir au loin. C'est un sentiment extrêmement profond, le sentiment d'être dans un lieu où le temps s'écoule vraiment différemment. Là-haut, c'est magnifique. On est vraiment au-dessus de cette forêt primaire qu'on a tant cherchée. La forêt primaire, pour moi, c'est déjà, on va dire, un rêve d'enfant. Et ce rêve, c'est un peu un rêve d'aventure. J'ai toujours imaginé une forêt inondée d'eau, avec plein d'animaux et avançant là-dedans à coups de machette comme ça, un peu des sentiers infranchissables, où tout a à découvrir. Bonjour, vous habitez ici? Des abeilles partout, ça nous rentre dans tous les trous, mais bon, on voit un petit peu derrière moi, la vue c'est pas mal. Donc on fait avec, mais c'est difficilement gérable. Ça reste frustrant quand on voit des singes passer et eux, ils arrivent à courir, sauter de branche en branche. Là, on se rend bien compte qu'on est bien peu de choses au sommet de cette canopée. Luc, t'as encore la main sur la corde noire? Absolument, il me reste un mètre. D'accord. Mets un coup de main. Chier! Putain! Ben et Yannick arrivent tant bien que mal à installer la caméra dans l'arbre. Un mètre à la fois. Combien tu dis? 35 mètres? À peu près, oui. Avec Ben, toute la journée, on est dans les arbres. On est pendu à des cordes et c'est un boulot très très physique. On dirait un catcheur qui monte sur une corde. Le Moabi. Génial. On n'est pas bien là. Il est magnifique cet arbre. Il est effectivement pas loin quoi. Et je me rends compte qu'il va falloir une force de travail colossale pour pouvoir équiper les arbres. Est-ce que Ben a fait en compagnie d'Yannick? Et ben il va probablement falloir une équipe de 3, 4, 5, 6 personnes pour arriver à faire le même travail dans la durée sans prendre de risques et sans trop fatiguer les gens.